Hey, tu peux m'aider financièrement gratuitement en allant sur ma page Utip qui se trouve dans la description de la vidéo. Allez, bon visionnage. Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode de Planet Base. Donc, je suis en train de recorder en avance, comme d'habitude. Vous le savez très bien que j'ai que 2 jours pour recorder toutes les vidéos. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui va nous faire arriver? Plein d'ouvriers. Eh bien, on va se calmer au niveau des ouvriers, parce que moi, je voudrais des biologistes, maintenant. Oui, on augmente notre taille, notre superficie. On va créer un entrepôt, un bar. Alors, ça peut être pas mal, le bar. Un petit bar, hein. Parce que le bar, ça consomme beaucoup de trucs. Beaucoup de légumes. Et on va le mettre là. Un petit bar, hein. Et on va créer aussi un gros biodôme, encore une fois, pour produire plus, toujours plus, et encore plus. Notre robot fourreur, il y aura un deuxième robot. On est en train de faire des armes. Et il faut qu'on en crée plein d'armes. Mais plein! Et il faut qu'on ait aussi des infirmiers. Parce qu'on a vraiment un médicament, c'est vraiment peu. 22 repas, on a tellement de viande, de légumes en trop que c'est bon. Notre réserve d'eau. Oh, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que l'eau c'est important. Donc on va faire une autre citerne. Hop. Même on va en créer plusieurs citernes. Voilà. Et on va mettre, bien sûr, un extracteur d'eau. Crucial. Vous le savez très bien. Tout autant que moi. Que ceci est crucial. Et on va remettre laser anti-météorite. Oh. C'est pas passé bien loin celui-là. Générateur d'oxygène n'a plus assez d'eau. Ça va être un problème. Je t'en prends un peu. Mage clic. Allez, je te prends 4 médocs. Merci, au revoir. Dépasse la production. Ah, problème. Ah oui, ici, problème d'eau. Ça va être un gros problème. Et au niveau des chambres, il faudrait qu'on crée encore un dortoir parce qu'il n'y en a plus assez. Hein. Stop! Ça commence à être une alcalmie. On arrête, sauf les marchands. On n'a plus de fer du tout. Oh, fais chier. On coupe ça parce que ça consomme de l'électricité pour rien. Les gens qui font du fer là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un fer là, il y a plein de fer. Vite, prenez-le. Oui, je sais, et c'est un gros problème. Oh, on a un robot fourreur en plus. Et en termes de robots d'ailleurs, continuer à faire des robots fourreurs ou des robots porteurs? Les constructeurs, ça peut être pas mal aussi. Il faudrait avoir la technologie. Ah, mais ils vont faire des citernes en prums. Il produit rien en fait. Rien du tout. Hop, tu t'éteins, tu sers à rien pour le moment.
Il n'y a plus rien dans les citernes. Et là, on commence à avoir des morts. Pour le moment, non. Donc c'est... Mais par contre, on commence à avoir des problèmes d'eau. Et ça, c'est un problème. Bon, l'extracteur d'eau est fait. Manque de l'espace de stockage. Merci, mais ça, il y aura le bar, donc c'est pas un problème. Ce serait bien que juste que les gens travaillent. Poète, 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 poète. Ah là là, j'avais pas pensé à l'eau et pourtant l'eau c'est tellement important dans ce jeu. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'oxygène. Et aussi les gens peuvent pas boire. C'est aussi logique. Ah merde, je peux pas... Bah non, c'est pas intéressant. Bah non, désolé, ça m'intéresse pas. Au revoir. Bah ouais, je croyais que c'était un robot machin. Robot constructeur qu'on pouvait construire, mais pas du tout. Ouais, les problèmes, le problème c'est que les gens ils sont fatigués. Un silicium, il nous manque juste une barre de fer. On a vraiment des problèmes de fer. Parfait, fais celui-là. Merci. On a de l'eau qui vont remplir nos citernes. En même temps. Voilà. On a de l'eau. Et d'ailleurs, on va en reposer mettre une de d'extracteur d'eau et on va la relier à celle-là, comme ça on en aura toujours plus et il faudra qu'on crée encore plus d'accumulateurs parce que on va avoir des problèmes d'électricité. Oups. Donc dans le biodôme déjà beaucoup. What? C'est quoi ça? Serre médicinale, serre médicinale. Une serre médicinale, un truc pour respirer et deux trucs pour produire de la nourriture en masse. Comme d'hab. Un truc pour la terre, deux trucs pour la terre. Et de quoi créer de l'amidon. Voilà, déjà on a fait ça, c'est le plus important. Nos réserves vont tomber, sachant que ici on va créer des barres. Et les barres, ça intéresse tout le monde. Et une télé. Et une deuxième télé. Voilà, bam! Pour le bar, c'est fait. Alors, qu'est-ce que tu peux nous vendre? Les éoliens, je m'en fous. Hein. Désolé, je m'en fiche un petit peu des éoliens. Le fer, je peux en produire, donc je m'en fous. Désolé, au revoir. Bouette, 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 bouette. Ça produit, on le voit. On a un robot fourreur. Même deux robots foreurs qui vont arriver. Parfait. Le fait qu'on multiplie les tâches pour les ouvriers, ça ne sert strictement à rien. Donc, les ouvriers, faut qu'on arrête d'en prendre. Par contre, au niveau des biologistes, il faudra qu'on ait un peu plus de biologistes. Et ensuite, on va faire les ingénieurs, puis les médecins. Et ainsi, on va terminer les gardiens aussi, qui sont primordiales. Nous en faut beaucoup de gardiens. Beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Oui. Oui. Beaucoup.
beaucoup. Allez. Pouette, pouette, pouette. Pouette, pouette, pouette. Ça va, ça produit énormément d'eau, il n'y a pas de problème. Pouette, pouette. Semi-conducteur disponible 1, total 3. D'ailleurs, on va faire. Oh, mais il y a un truc. Le mieux, c'est de le mettre ici, en plein milieu. D'ailleurs, on va le relier à ça et à ça. Oh, c'est le bordel, notre truc! Regardez ce truc. D'ailleurs faudra qu'on crée une chambre hein, parce que là au niveau des chambres c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça a créé encore un robot fourreur. Oui. Ça travaille bien chez les ingénieurs. C'est qui contrôle les antennes et tout? Ah ben ça je le savais pas par exemple. Parce qu'il y avait personne qui m'a dit. Et voilà. Carte jaune. Oh. Que c'est beau. Ah bah on va avoir des problèmes d'électricité. Wouh. Génial. On a 4 bières. Ah c'est long à produire les bières. On va avoir vraiment des gros problèmes. Donc déjà ça ben on te désactive hein. Désolé. Ah, ça va être un problème, on n'aura plus d'électricité. On éteint. Les trucs qui ne servent strictement à rien, on éteint. Ouais, mais les trucs pour les robots, c'est tellement important. Ici. Plus d'alerte, mais on aura des problèmes d'électricité. On désactive. Comme ça, au niveau de notre batterie... Ça va être limite. On désactive. Oh bah on désactive le port spatial hein. Bah ouais. Tant qu'on y est, si on peut faire si on peut désactiver ce gros truc qui dépense tellement d'énergie, on le prend. Bah, je sais que mon réseau d'électricité est lamentable. Il est arrivé au mauvais moment. C'est pour ça qu'il faudra qu'on crée plus d'accumulateurs. Ça va être un grand défi, c'est créer plus d'accumulateurs. Il est à ce point critique. Oui. Oh, heureusement que c'est le jour. C'est bon, ça remarche. Il y a de l'électricité, vous pouvez travailler.
et ça allait beaucoup plus vite pour accumuler de l'électricité dedans. Mais le jour passe tellement vite! C'est dingue! Il nous faut 4 accumulateurs, hein, je vous le dis. Hein. 4 accumulateurs. La moitié, on en a rempli. Presque à la moitié, on en a rempli déjà 2. Allez, on peut le remplir. Le quatrième serait sympa. Par contre, au niveau des pièces détachées, là, 23, il n'y a pas de problème. Hein. Quatrième qui est en train de se remplir. Parfait! C'est génial! Ça commence à être un peu chaud, mais Francie est là. Francie est là, Francie est présent. Oh, un troisième robot forgeur. Je voudrais que tous les mines soient puissent être forgées. Ah, y a plus. C'est pour ça qu'on va vite construire. Et que ici on va allumer parce que c'est quand même important. Que ça en allume, ça aussi. Ça aussi. Il n'y a que 3 mines. Hein. Et on va créer un accumulateur. Créons plein d'accumulateurs, s'il vous plaît. Encore. Et oui, on va en créer plein. Quand je dis plein, c'est plein. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en construction. On va pas pouvoir les remplir tous. Donc, il va falloir créer des panneaux solaires. Ah. Deux. Trois. C'est rempli. Beaucoup de travaux hein, pour l'équipe d'ingénieurs. Mais en tout cas, ben nous, on se retrouve la fois prochaine pour un nouvel épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, ciao tout le monde.